Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'SK Ultra. Et aujourd'hui, on va aborder l'histoire d'un serial killer qui a fait énormément parler de lui, du moins dans son pays d'origine, dans les années 2000, et qui a clairement défrayé la chronique. Il s'agit de Javed Iqbal Mughal, alias le tueur à l'acide. Alors accrochez-vous bien parce que franchement, il y a de quoi être traumatisé. Et si vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, alors c'est parti, on y va. C'est une vidéo qui risque de pas être très très longue, dans le sens où on a très peu d'informations sur le cas de Javed Iqbal Mughal. C'est quelqu'un qui a commis ses méfaits au Pakistan, du coup les informations souvent sont en anglais, il y en a très peu malgré le fait qu'elles soient en anglais. On n'a pas grand chose et on ne sait pas grand chose de lui, mais je vais tenter vraiment de vous dresser un portrait le plus précis possible. Alors Javed Iqbal Mughal, il est né en 56 au Pakistan, à Lahore plus précisément. Il est le fils de Mohamed Ali Mughal, un commerçant qui est assez aisé et donc clairement dans son enfance, c'est quelqu'un qui ne va manquer de rien. Il est vraiment choyé par ses parents, bref. Un enfant un peu pourri gâté. Durant sa scolarité, il va fréquenter le Government Islamia College avant, en 78, alors qu'il est encore étudiant, de créer sa propre entreprise de refonte d'acier. Il vit alors dans une maison qui est payée par son père à Chadbagh avec d'autres garçons. On sait que pendant très longtemps, sa famille a essayé de le marier, c'est assez courant au Pakistan, et qu'il a résisté assez longtemps avant finalement d'annoncer son mariage avec la sœur d'un de ses amis. Mais voilà, mariage qui va absolument pas fonctionner, pour dire il s'est marié et il a divorcé dans la même année, c'est-à-dire en 83. Donc finalement, à cette époque, Javed, il n'avait que deux choses à faire, s'occuper de son entreprise et appâter des jeunes garçons. Du coup, il va ouvrir une boutique en fait de jeux vidéo où il va les attirer en leur offrant des parties de jeux gratuites. Après, un autre de ses subterfuges consiste à laisser un billet de 100 roupies sur le sol, à attendre qu'un jeune garçon vienne voler le billet pour l'accuser de vol, l'emmener dans une pièce à l'arrière-boutique pour le punir. Alors quand j'entends punir, évidemment, j'entends viol. Et généralement, ce sont des viols par sodomie. Une fois qu'il avait fait ses affaires, généralement, Javed redonnait le billet de 100 roupies au jeune enfant en guise, entre guillemets, de dédommagement, de bonne volonté, on va dire. Et forcément, les gens vont vite finir par apprendre ce qui arrive aux garçons dans la boutique. Et de ce moment-là, ils vont interdire à leurs enfants de fréquenter l'établissement. Évidemment, la boutique va fermer quelques temps plus tard et par la suite, Javed va tout d'abord ouvrir un aquarium qui va fermer, puis une salle de sport, toujours dans le but en fait d'attirer des jeunes garçons. Après que sa salle de sport ait fait faillite, il va ouvrir une école qui est appelée Sunnyside School, qui évidemment ne va obtenir aucun élève étant donné la réputation de Javed. Il va ouvrir alors une épicerie qui là aussi va fermer en quelques semaines, avant d'investir dans un journal sur les crimes et la corruption, ce qui lui permet en fait de développer de bonnes relations avec les services gouvernementaux. En 93, le père de Javed va décéder et il va lui léguer une bonne partie de sa fortune, à savoir environ 40 000 euros. Au Pakistan, ça fait vraiment beaucoup. Avec ça, Javed va faire construire une maison à Rana, il va y mettre un étang, une piscine, il va rouler dans des grosses voitures très chères avec très souvent une demi-douzaine de jeunes garçons à l'intérieur. Et puis finalement, il finit par vendre cette maison pour aller emménager à Fatehgarh, où de nouveau, il va ouvrir une boutique de jeux vidéo. Et en 98, il est en fait frappé par un de ses employés, et du coup, il est gravement blessé à la tête. Il va rester plus de 20 jours dans le coma, 22 jours même pour être exact. Et si au départ, en fait, la police va enregistrer le fait comme un vol qualifié qui a mené au coma de Javed, et ben finalement ils vont modifier cette qualification là pour accuser Iqbal de viol envers son employé. Et forcément, Javed va être arrêté, seulement il va être remis en liberté sous caution, et de là, il va
tout perdre, sa maison, ses biens, enfin bref, tout va être vendu pour subvenir à ses soins médicaux. Clairement, il est ruiné. Et le tournant, il est un peu là. C'est de ce moment-là où Iqbal va commencer à tuer. Clairement, sa soif de meurtre va être ultra rapide. On estime qu'il a tué une centaine de garçons en seulement 6 mois. C'est vraiment incroyable et c'est très rapide. En décembre 99, il va envoyer une lettre à la police et parallèlement au journal de Lahore pour avouer le viol et le meurtre de 100 garçons âgés de 6 à 16 ans. Pour la plupart, ces jeunes garçons, c'était des fugueurs ou des orphelins qui vivaient dans la rue. Et il écrit en fait les avoir étranglés, démembré, avant de se débarrasser en fait des corps dans des cuves d'acide et de jeter les restes dans une rivière. Et dans cette lettre, il va aussi affirmer qu'il a commis ces meurtres par vengeance envers la police qui l'avait arrêté pour les actes de sodomie sur son employé, sans poursuivre son agresseur pour l'infraction de vol qu'il avait commis. Après cet accident, après cet épisode-là, la mère d'Iqbal qui a dû subvenir aux besoins de son fils qui était en mauvais état suite à cette agression est décédée d'une crise cardiaque. Et en fait, Javed avait décidé de faire pleurer sa mère pour leur fils comme sa mère avait pu pleurer pour lui. Et clairement, si Iqbal n'avait pas envoyé cette lettre, il aurait pu continuer complètement indéfiniment parce que la disparition des jeunes garçons, comme c'était des garçons que personne ne cherchait vraiment, ça passait totalement inaperçu. Lorsque la police va fouiller la maison de Javed où il dit lui-même avoir tué ses victimes, ils vont trouver les murs et les sols couverts de taches de sang. On va aussi retrouver une chaîne avec laquelle, a priori, il étranglait ses victimes et de nombreuses photos et articles de journaux soigneusement plastifiés. Il y a aussi des restes humains qui ont été retrouvés dans deux cuves contenant de l'acide. Ils sont partiellement dissous et visiblement ce détail-là avait été soigneusement préparé par Javed, qui avait justement signalé dans sa lettre que les corps qui se situent dans la maison avaient été délibérément laissés sur place et pas totalement éliminés pour que les autorités les retrouvent. Dans cette fameuse lettre, Iqbal explique aussi qu'il a l'intention de se noyer à mort dans la rivière Ravi à la suite de ses aveux. Bien entendu, c'était faux et la police va alors lancer une énorme chasse à l'homme. Ils vont arrêter 4 adolescents complices d'Iqbal, dont l'un d'ailleurs va rapidement se suicider en sautant par la fenêtre. Les enquêteurs vont aussi retrouver un journal avec des descriptions détaillées de chacun des meurtres, les âges, la manière dont il a tué chaque enfant, et même le coût en fait d'élimination des corps, qu'il estime à peu près à 120 roupies, donc globalement ça fait à peu près 2 euros. Voilà, 2 euros pour supprimer le corps d'un gamin. Tout va bien. Le 30 décembre 99, Iqbal va se rendre dans les locaux du journal Daily Jang, où il va être arrêté. Il va expliquer en fait par la suite qu'il s'est rendu dans ces bureaux-là parce qu'en fait il craignait pour sa vie, il avait peur que la police le tue. Et clairement, durant tout son procès, en fait Iqbal va clamer son innocence, il va dire que c'est pas lui, que c'est simplement un canular, pour qu'on prenne en fait en considération la situation des jeunes et leurs conditions de vie dans la rue. Bref, ça va complètement pas marcher, évidemment personne ne va le croire. Et il va être condamné à 100 peines de mort et à une exécution par strangulation avec la chaîne justement qu'il utilisait pour étrangler ses victimes. Une fois que sa mort sera prononcée, il est condamné à ce que son corps soit coupé en 100 morceaux et dissous dans de l'acide. Son complice Sajid Ahmad, âgé de 17 ans, sera lui aussi condamné à la peine de mort. Et enfin, Mamad Sabir, 13 ans, est condamné à 63 ans de prison. Malheureusement, avant que cette peine ne puisse être appliquée, Iqbal et Sajid Ahmad vont se suicider dans leur cellule de prison par pendaison. Encore aujourd'hui, Iqbal est en tout cas considéré comme le tueur en série le plus prolifique de l'histoire du Pakistan. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Javed Iqbal Mughal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'est pas très très longue et que du coup vous allez peut-être un peu, rester sur votre faim ou peut-être que justement ça va complètement vous impressionner. En tout cas,
Bah, j'attends vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. Et si cette vidéo vous a plu, eh ben, je vous laisse me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Bref, ça me pousse à toujours continuer les vidéos et vraiment, bah, du coup, je vous remercie pour ceux qui sont là depuis le tout début, même ceux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Ça me fait toujours super plaisir de vous voir vous abonner, vraiment, c'est trop cool. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'SK Ultra. Prenez soin de vous et comme d'habitude, faites attention aux petits détails. Ciao.